And again, thank you for joining us. I just ask you, please, to speak not too fast, so we facilitate the work to our interpreters. Sure. Ms. Guillaume, the floor is yours. Thank you very much. I hope you hear me well. Je vais passer au français. Comme vous me l'avez indiqué, je suis donc Sylvie Guillaume, je suis députée européenne et je préside la délégation de la gauche sociale et écologique au Parlement européen. De longue date, je suis engagée pour défendre les droits et la participation des personnes handicapées et c'est donc avec un immense plaisir que j'ai reçu l'invitation de l'ADAPT, que j'ai souvent accompagnée, à intervenir en introduction de ce double webinaire pour parler de l'Europe et du handicap et plus particulièrement de la sécurisation des parcours professionnels pour les personnes porteuses d'un handicap. Si on devait résumer, c'est impossible, hein, mais si on devait résumer les très grandes actions de l'Union européenne en matière de handicap, je signalerais d'abord qu'elle fait partie de la Convention cadre des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées depuis janvier 2011. La Commission européenne a adopté une stratégie 2010-2020 en faveur des personnes handicapées avec pour objectif de mettre en œuvre cette convention cadre et promouvoir une Europe sans entrave qui donne aux personnes handicapées les moyens de jouir de leurs droits et de participer pleinement à la société et à l'économie. De son côté, le Parlement européen a adopté de nombreuses résolutions, dont une fin novembre 2017 pour accélérer la mise en œuvre de cette convention en ciblant des mesures prioritaires, parmi lesquelles je veux citer la mise en place de mesures de discrimination positive, comme des quotas pour les personnes handicapées dans les secteurs publics et privés, la garantie que les jeunes personnes handicapées puissent véritablement bénéficier des initiatives de l'Union, telles qu'Erasmus, j'y reviendrai à la fin, et la garantie jeunesse, ou bien encore bénéficier du corps européen de solidarité. C'est une démarche qui a porté des fruits, puisque des évolutions ont vu le jour. Malheureusement, pas assez. Et franchement, selon moi, pas assez vite. L'un des pires signaux est la directive anti-discrimination, dont l'objectif est de s'attaquer aux discriminations sous toutes ses formes. Elle a été votée, tenez-vous bien, il y a 11 ans au Parlement européen. Et depuis, les chefs d'État et de gouvernement, leurs représentants, n'ont pas fait évoluer d'un iota leur position et bloqué tout le système. C'est inadmissible. Dans un autre registre, pour tous les États membres de l'Union, nous avons en tête des indicateurs sur l'accès à l'éducation, l'emploi au logement ou bien encore au logement des personnes handicapées. Ils restent globalement négatifs malgré de belles initiatives. Nous avons le sentiment clair d'un blocage de nos sociétés. Et cette année, la crise du Covid-19 et les mesures exceptionnelles qui ont été prises par les gouvernements dans l'Union, comme le confinement, ont balayé d'une certaine manière, dans certains cas, la non-discrimination à l'égard des personnes handicapées. Plus vulnérables d'un point de vue santé, les personnes en situation de handicap ont fait face à de sérieux défis et parfois des violations de leurs droits, comme des interruptions à l'assistance personnelle, aux soins et aux services de soutien, un accès réduit, voire une exclusion complète de l'information relative à la santé, y compris les soins d'urgence, un manque d'information générale et publique concernant la sécurité, présentée de manière simple et claire, y compris dans des formats accessibles, un manque de mesures de précaution dans certaines institutions, un accès inégalitaire aux alternatives offertes dans l'éducation, ainsi qu'une augmentation de la violence domestique. Le constat est extrêmement rude, mais oui, la pandémie a intensifié les inégalités et elle a produit de nouvelles menaces pour les personnes handicapées. Est-ce que, disant cela, je suis loin du sujet sur les parcours professionnels? Pas tant que cela, en fait. Car après la pandémie, il faudra également penser au monde d'après, à la stratégie que nous voulons mettre en place pour atteindre les objectifs d'une Europe inclusive. La relance économique, c'est une chose, mais cette relance ne doit pas se solder avec des ambitions sociales et inclusives. Dans cette perspective, le Parlement européen a voté la semaine dernière une résolution qui recommande des objectifs concrets dans différents domaines. Égalité, participation, liberté de mouvement et autonomie, accessibilité, emploi et formation, éducation et culture, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, mainstreaming des droits des personnes en situation de handicap, et notamment les enfants, dans les décisions de la Commission, doubler le travail de sensibilisation. Il y a bientôt un an, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonçait vouloir présenter un plan d'action pour la mise en œuvre intégrale du socle européen des droits sociaux. Celui-ci est annoncé pour le premier trimestre 2021 et une consultation est actuellement en cours jusque fin novembre de cette année. Je vous engage d'ailleurs à y participer. Les propositions qui vont être faites seront scrutées à la loupe.
Ce qui est sûr, c'est que les prochaines étapes devront être ambitieuses et s'accompagner de moyens financiers suffisants. Car, et je vais en conclure par là, si les annonces de milliers de milliards déversés pour la relance économique sont un engagement parfaitement appréciable, pour l'instant, les perspectives budgétaires européennes sont alarmantes, tant au niveau des montants que de leur affectation aux lignes sociales. Et si on en reste à ce stade des négociations, je ne suis pas certaine, par exemple, que vous auriez pu tenir un programme Erasmus pour mener vos actions, ce qui aurait été parfaitement regrettable. Il faudra donc que nous soyons tous très vigilants et très déterminés. Vous me trouverez à vos côtés et je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite également un excellent webinaire. Thank you very much, Madame Guillaume. It's always very interesting to listen what is moving around the Commission and the Parliament. I also would like to say whatever you underlined about poverty, how we put together poverty, disability, lack of employment, and all those kind of problems. I will also say something about the barriers under this point of view. So thank you very much. It has been a pleasure to have you. And as we say in Italian, buon lavoro. Ciao. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much. So now, after Madame Guillaume, we have a pre-recorded video from Monsieur Pascal Durand, member of the European Parliament as well. So I think that directly from our organizers, we will have the video on our screens, right? So please do that. Are we ready? Je vous remercie pour cette invitation à m'exprimer et vous renouvelle mes remerciements non seulement pour votre engagement sans faille sur le sujet du handicap, mais également sur la prise en compte de la dimension européenne du sujet. Il est particulièrement important de continuer à faire entendre la voix en Europe des personnes avec un handicap et que les institutions européennes, dont le Parlement, les associations, les prestataires de services, travaillent ensemble pour une société plus inclusive. Le 18 juin dernier, le Parlement européen a adopté une résolution sur la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l'après 2020. Une autre résolution spécifique sur les droits des personnes avec un handicap mental est en cours de discussion et sera votée début juillet. Dans le texte voté en juin, nous avons rappelé les difficultés de l'accès au marché de l'emploi en Europe pour les personnes avec un handicap. Nous avons aussi émis un certain nombre de recommandations cruciales pour éliminer les discriminations à l'emploi. Le contexte, vous le connaissez, mais il est nécessaire de toujours et toujours le rappeler. Les personnes en situation de handicap ne bénéficient toujours pas d'un accès équitable et sans restriction au marché du travail en Europe. Dans l'Union, le taux d'emploi s'élève en moyenne entre 50 et 53% pour les hommes et 48% environ pour les femmes, contre 75% pour l'ensemble de la population. Le taux de chômage des personnes handicapées âgées de 20 à 64 ans, donc en âge de travailler, est de 17 points contre 10 points. Et cela prive de nombreuses personnes handicapées de pouvoir mener une vie autonome et active. Plus de 4 millions de personnes avec un handicap sont sans abri. Nous connaissons les causes qui rendent difficile l'accès à une carrière professionnelle. Elles sont multiples. L'absence d'espaces de travail adaptés et de signalétiques dédiés au sein des entreprises, les difficultés pour la reconnaissance des droits spécifiques aux personnes en situation de handicap au sein du marché intérieur et entre les États membres. On estime que près de 11% des personnes handicapées qui ont un travail en Europe sont des travailleurs pauvres ou sont sur le point de basculer dans la pauvreté. Et pourtant, l'accès à un emploi est un élément crucial pour éviter l'exclusion sociale et pour la reconnaissance de soi. Il permet de se sentir intégré au sein d'une communauté. Dans une étude de 2018, l'agence européenne Eurofond concluait un lien de corrélation très fort entre la difficulté de retrouver un emploi et le sentiment d'exclusion et de dépréciation de soi chez les personnes handicapées, et ce, quel que soit le niveau de revenu de ces personnes. Pourtant, des solutions d'adaptation de travail à distance sont déjà disponibles pour les actifs d'aujourd'hui et pendant la formation des plus jeunes. La crise du Covid-19 l'a démontré. Dans la réponse d'après-crise,
il sera essentiel de traduire l'accompagnement et la formation des personnes avec un handicap aux technologies du numérique par un fléchage budgétaire spécifique dédié. Nous devons aussi montrer l'exemple dès maintenant. Dans les institutions européennes, le taux d'emploi des personnes avec un handicap est particulièrement faible. Le Parlement et les agences de la Commission et la Commission doivent mettre en place des quotas d'emploi des personnes avec un handicap dès 2021, comme c'est le cas dans de nombreux États membres comme la France ou l'Allemagne. Avec plusieurs collègues eurodéputés de différents groupes, nous travaillons sur ce point en relation avec les questeurs du Parlement et dans les différents instruments législatifs de la Commission du contrôle budgétaire. Mais alors, que devons-nous faire pour améliorer la situation dans toute l'Europe? Tout d'abord, il faut faire respecter le droit international et la procédure de codécision européenne. 9 ans après l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, leurs droits ne semblent toujours pas constituer une priorité transversale dans l'ensemble des lois, des politiques et des programmes de l'Union et font trop souvent l'objet d'une approche sectorielle. Il faut finaliser dans chaque État membre la ratification du protocole facultatif des Nations Unies, l'annexe sur les droits des personnes avec un handicap, afin de pouvoir poursuivre un État membre devant la justice s'il ne respectait pas la loi. La Pologne, la République tchèque et l'Irlande n'en l'ont toujours pas ratifié. Le 2 juillet 2008, la Commission européenne proposait une directive visant à rendre toute discrimination fondée sur l'âge, le handicap, la religion ou les convictions et l'orientation sexuelle dans tous les domaines de compétences de l'UE. Mais il faut avancer sur cette indispensable directive transversale, horizontale, anti-discrimination, mais elle est bloquée au Conseil depuis plus de 10 ans. Cela montre que certains États membres ne veulent pas en réalité reconnaître les besoins éducatifs spéciaux et la nécessité de l'intégration de l'éducation pour les enfants handicapés et les possibilités d'apprentissage à vie. Par leur veto ou leur paresse intellectuelle, ils empêchent des avancées substantielles pour le droit des personnes handicapées en Europe. Étendre le champ de la directive sur l'égalité à l'emploi, qui date de 2000, est également une priorité. Cette directive ne traite que de la discrimination au travail, alors que l'on sait que les conditions d'accès à l'emploi dépassent le cadre strict du lieu de travail, les mobilités, le logement, etc. L'accès à la formation, ainsi que, où que ce soit à l'école ou lors des apprentissages, l'éducation pour les personnes avec un handicap ne bénéficie pas de la même attention dans chaque État membre. D'autres pistes sont également possibles, telles que la généralisation des référents handicap dans toutes les entreprises de plus de 50 employés. La France est en train de le tester afin d'amener les entreprises à considérer l'accès aux personnes en situation de handicap non plus comme une mission à part, mais comme une vraie stratégie de ressources humaines. J'aimerais terminer par une remarque plus générale sur ce que l'on nomme les emplois peu qualifiés, qui sont souvent le lot des personnes en situation de handicap. La crise sanitaire que nous traversons montre que cette expression peu valorisante est injuste, car les personnes qui travaillent dans les supermarchés, dans l'aide à la personne, au nettoyage, aux livraisons, sont des maillons essentiels de notre tissu économique et qu'ils méritent, eux aussi, une juste reconnaissance. J'espère que cette prise de conscience pourra bientôt aussi être suivie de fait en Europe et dans les décisions des États membres et qu'enfin, on comprendra que chaque être humain, quelle que soit sa situation, mérite le respect et a droit à une égale dignité. C'est là notre but et notre projet commun. Vous pouvez continuer et compter sur nous pour pouvoir le mettre en œuvre dès 2021. Je vous souhaite une excellente conférence. Oh, great. We have to thank also Monsieur Durand for his interesting and important words. Okay, so now we go to our third speaker, that it's our host. So I'm very pleased to give the floor to the president of LADAP, Monsieur Emmanuel Costant. Emmanuel, the floor is yours. We listen at you. Oui. Bonjour Fabrizio, cher Fabrizio, bonjour à tous. Au nom de l'ADAPT, l'Association française pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, bienvenue à tous nos intervenants et à tous les participants à ce webinaire. Je voudrais remercier tout particulièrement les membres du consortium DESC pour leur travail avec nous sur DESC 2 depuis 2017
Et puis aussi depuis, en réalité, 2014 avec 2000 avec Desk 1. Remercier l'EASPD, l'association qui est en Belgique et a organisé cette magnifique conférence au mois de mai et qui est vraiment une association européenne. Remercier la fondation espagnole Emplea qui fait partie de nos partenaires sur ce programme. Et puis, bien entendu, l'association italienne de réinsertion sociale des personnes handicapées que préside Fabrizio Fea, qui est notre animateur aujourd'hui, avec cette la scuola Viva Onlus que nous connaissons bien, qui est un partenaire fidèle et si efficace. Ensemble, nous avons évalué, analysé, produit et abouti à 3 guides méthodologiques qui ont été remis à la Commission. Donc, c'est un gros travail et l'ADAPT est vraiment reconnaissante à tous ceux qui ont aidé ainsi. Le troisième point que je voudrais souligner, à l'heure du Covid-19, un impératif, c'est la situation des personnes handicapées après cette, et encore, c'est pas terminé, ce virus. Et en particulier, la situation des personnes handicapées vis-à-vis de l'emploi. Il y a une grave menace. Les personnes handicapées vont-elles être les premières victimes des licenciements et des non-recrutements dans les mois qui viennent? Non. Nos organisations sont claires. Elles vont se battre très fermement en France et ailleurs. Nous avons l'appui en France du gouvernement et de Sophie Cluzel, notre ministre, qui est prête, elle nous l'a dit, à se battre avec nous pour vraiment assurer la priorité nécessaire des personnes handicapées dont la situation est difficile. Un immense merci aussi à Sylvie Guillaume et à ses collègues du Parlement européen, après l'intervention qu'elle vient de faire, avec tant d'amitié pour l'ADAPT, et puis à Pascal Durand qui est également intervenu. Sylvie Guillaume nous a en effet accueillis depuis longtemps dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous a accueilli les délégations de l'ADAPT à Bruxelles et à Strasbourg pour nous soutenir. Et c'est naturellement très important. Alors, il y a eu cette déclaration, cette résolution du Parlement européen, une nécessité bien sûr très grande de définir cette stratégie européenne pour les personnes en situation de handicap. Et cette stratégie, elle est indispensable, vraiment nécessaire. Cette résolution est très riche. Elle a de très nombreux points. Je retiendrai pour ma part, et dans le cadre de Desk 2, 4 enseignements qui correspondent bien aux objectifs de l'ADAPT et de Desk 2. D'abord, la priorité à donner à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est nécessaire pour l'inclusion dans la société et la pleine citoyenneté des personnes handicapées. Il y a un gros travail à faire. La stratégie européenne est nécessaire. La nouvelle stratégie, la stratégie précédente n'est pas allée assez loin. Elle n'est pas allée assez loin dans ce domaine de l'insertion professionnelle. C'est capital pour tous les handicaps, tous les handicaps. Ensuite, deuxième priorité, l'aspect des femmes en situation de handicap. Il faut attacher, veiller, c'est très important, à la situation des femmes en situation de handicap et c'est une priorité clé. Troisièmement, la consultation des organisations et associations pour les personnes en situation de handicap. Cette consultation, elle est indispensable. Elle est ouverte, nous dit-on, pour la nouvelle stratégie. L'ADAPT s'exprimera, mais il faut aussi que les associations, en tant que telles, soit entendu et écouté par le Parlement européen. Enfin, il est demandé dans la résolution, c'est le quatrième point que je retiens, que chaque État définisse une stratégie en matière de droit, de non-discrimination des personnes handicapées et de pleine inclusion dans la société. Cette stratégie par État, il faut que l'Europe la demande fermement et vérifie qu'elle est développée dans chacun de nos États membres. Voilà, je voudrais aussi un peu en conclusion indiquer au cœur de ce webinaire dont on se félicite tellement, dont je remercie vraiment tous ceux qui l'ont préparé. Nous avons deux axes importants. Le premier, c'est l'emploi accompagné, supported employment, qui a fait ses preuves dans toute l'Europe, qu'en France, avec retard, nous avons repris,
mais maintenant c'est dans la loi depuis 2016. L'emploi accompagné, c'est une sécurité pour l'employeur, pour l'entreprise, c'est une sécurité d'accompagnement pour la personne handicapée. C'est donc quelque chose qui est gagnant-gagnant. Et puis l'autre axe de ce webinaire, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Nous souhaitons la développer cette semaine dans toute l'Europe. Elle a lieu au mois de novembre chaque année et déjà, grâce à l'association de Fabrizio, grâce à Emplea, grâce à l'ESPD, elle se développe, et à des associations belges, irlandaises, elle se développe dans plusieurs pays. Il faut qu'elle se développe beaucoup plus avec l'appui de la Commission européenne, que je remercie beaucoup pour DESC 2, bien sûr. C'est un effort magnifique de la Commission européenne dans une situation budgétaire difficile. Et puis le soutien du Parlement européen, qui est tout à fait formidable. Merci à tous. Bonne journée pour le webinaire. Oh, thank you very much, Emmanuel, for your kind words, but also to underline the way you did. What are the main points of our project, that it's going to an end in this time, particularly when you speak about supported employment and EDU, the starting of one going into the other in the same path and with the same importance. Voilà. And we started and we are here for that. So we hope that it will grow also in other countries and not only in France where it started years ago. Thank you very much for what you said. So I think that now it's time to go to the first of the two round tables that we have. And again, I would like to remind to the audience, if they want to make questions, to the icon at the bottom of the screen, so that we can reply to you, of course. We have four speakers in the round table one. One of each, the first one, it's a pre-recorded testimony of a personal experience of supported employment in Spain. It's Mr. David Olmedo. So I think that the organizers will put the video on so we can join it and enjoy it. So please, let's go for that. Thank you. Buenas, tengo un 40% de minusvalía y gracias al apoyo de empleo de la Asociación Babilón me ha ayudado a formarme como trabajador y a no rendirme nunca. Gracias a ellos no he perdido la esperanza nunca de volver a trabajar y lo que haga falta. Y mi experiencia laboral nunca me he rendido, siempre si me han dicho de hacer horas he hecho, porque he querido sentirme útil en la vida. Y no me he quejado por nada y mi experiencia ha sido buena gracias a ellos. Y que hablo por los demás, que todos somos iguales. Todos tenemos defectos y que todo el mundo puede trabajar en lo que sea, con sacrificio, lucha y poniendo de tu parte, todos somos iguales. Y gracias a la asociación me ayuda a conocer gente en el trabajo, personas, a asociarme con la gente de trabajo, a hacer amigos y nunca tirar la toalla y levantarme cada mañana contento para ir a trabajar. Y que gracias al apoyo que da las asociaciones de sin ánimo de lucro, no puedo estar más feliz con ellos y con el trabajo que realizan ellos y todo el mundo para que todos nosotros podamos trabajar y que todos somos iguales. Y que mi experiencia en el trabajo espero que siga igual como está siendo, trabajando,
y si tengo alguna duda lo puedo comentar con ellos, con la asociación, y encantado de seguir con ellos, porque he conocido gente y que todos somos iguales, no hay que tirar la toalla nunca, que se puede trabajar en todo lo que sea, tenga la minusvalía que tengas, y así es, que seguimos trabajando para lo que haga falta, sin parar. Fabrizio, your mic is off. Sorry, I didn't realize that that it was muted. I'm really sorry. I was just saying how the video from Mr. Olmedo, what he said, it's a lesson learned for all of us. So we know how to move or how to give a good opportunity to person with disability to find a job. Okay. Now we have our next speaker, Mr. John Zamora. He comes from the Foundation Emplea from Spain. He's one of the partners of the Desk 2 project. Already they were partners in Desk 1 as well. John, I give you the floor. Yeah. And it's, John, as soon as you ask your slide, it will come after this one. Okay. The floor is yours. Can you hear me, Fabrizio? Can you see me? I can. Yes, I can see you, and I can hear you. I hope. Can you join us as previous? Because well, first of all, I would like to introduce a bit Nación Emplea, so that you know what we work at. We work since 2008. We work in bringing innovative methodologies that could help creating, maintaining, or improving the job situation of vulnerable groups. And that's why, since the beginning, we were working with the supportive employment as one of our head methodologies, main methodologies. And there was this thing of the supportive employment that we found crucial and that we find really interesting is that the supportive employment has the aim of working with many different stakeholders that actually take part on the creation and maintenance of job of the people with disabilities. Opposing some other job methodologies that were working with the person many times, the supportive employment has this wide attempt, and when involving all these stakeholders, the results are especially much more sustainable. We are able to create, but also to maintain a job, and this is one of the best things of the supportive employment. But this also means that if we are able this means that for getting these sustainable results, we also need the involvement. We also need the effort. We need to coordinate all these actors, and this is also one of the keys of the methodology. So, if when we finished this one, and where we gathered different inclusive methodologies among others, supporting employment, we created Desk 2 with the idea of showing that all this effort made by the person and all the other stakeholders in being involved in the process of job creation and job maintenance of the people with disabilities was really worthy. And this was the goal of the Desk 2. We wanted to create some tools, and now Fabrizio will introduce, so that we could prove that the effort done had this return. We wanted to measure the impact that the inclusive methodologies in creating a job for people with disability had in all the stakeholders involved.
This means that we want to show the benefit, the impact, not only of people with disability, but also in all these other actors, so that they can make their effort worthy, but also so that it could help us to develop also and to convince some other important actors or agents as public administration, public authorities, in joining us, because as if we are able to show the impact and the benefits of inclusive methodologies, and if we are able to show this data, this information to public authorities, to public administration that we know that are the important things, would be really much more closer of more close of going into this path that has started in many countries already, but that we are in today, and especially with NEMIC, and there is a lot still to do, and this is a bit our goal. Now I would like to invite please Fabrizio to further introduce the two deliverables, the two intellectual outputs that we got in the text too, and that follow the goal that I just mentioned. Thank you very much, and thanks for coming again. Thank you very much, John. Now the third speaker of the roundtable, it's me. I just follow what John already said. I will introduce myself as well, even if I haven't done it as a moderator. I'm a medical director of a rehabilitation center placed in Rome for persons with disabilities. Particularly, we have a department that is for persons with intellectual disability. And we joined already desk one, and now we are together again in desk two. What you can see on the slide, I want to say something more than what just the deliverables are, because on the deliverables, I will tell you something about the questionnaires, because we found it quite interesting. But of course, time has been very strict for several reasons. So we still think the importance of these questionnaires, the importance of the fact that, in a way, we, as John said, involve several more stakeholders to go exactly to the ground, as we said with Desk 2, to make it working in a concrete way. Desk 2, the approaches of Desk 2, I think it's something quite interesting to talk about. As you see, we have a few moments on this. We have a given method, we have a tool proposal, and the EDU. About the given method, it's the need to transform applied research work into scale and field testing. The tool proposal, it's the desire to measure the efficiency and the performance of what we offer in order to draw from it and offer convincing qualitative and quantitative elements in terms of measurement and statistics. And the ADU method, it will come later, it's the desire to anchor the ADU in our countries after that directly from our French colleagues, as they do EDU since quite a long time. If I can have also the next slide, please. I don't know if it's... yes, I pointed out, depending on the IO1 and IO2, the different questionnaires, as I said before. About them, just let me, you can see that in IO1, we have the involvement of employers, of persons with disabilities, and with service providers. And the IO2,
we have families and colleagues. So this is also to underline the importance of involving the most stakeholders to give exactly the opportunity to persons with disabilities, with intellectual disabilities, to have a job and to have a career and to be part of society in the real sense, what we say. About the IO2, the families, I think that is a support, a very, very interesting and very important, so we cannot avoid from them when we involve a person as the person is. With the next slide, I would also like to underline what it happens and what we found during these two that are still part of the problems that persons with disabilities face when they are looking for job, and that is, as you can see the list, several times they don't have the same education and training opportunities of the others, peers, of the other youngsters when they go to still to school, and the way they can be trained just after for a job. It's about stigma. Stigma, maybe it seems that persons with intellectual disabilities are not intelligent people. Could that be possible? I don't think so. Costs for reasonable accommodation. That is another point that goes with the discrimination, when sometimes employers say that to reasonable accommodation, it's expensive because they have to spend money to make some changes in the environment of the work. Poverty cycles. We spoke about poverty since the beginning of this morning, as Madame Guillon said, but also Mr. Durand underlined the fact of the poverty. The benefit trap. We spoke a lot about benefit trap. Particularly families are always a bit anxious when we try to find a job for persons with disabilities, and they are afraid to lose the invalidity pension. And discrimination. Discrimination, I found out several kinds of discriminations I just would like to point out with the next slide. And that's my last slide. If I can have it, yes. Look how many of discrimination still exist in our society. We have a direct discrimination, and for direct discrimination, I mean race, gender, and disability, as you may see. We have an indirect discrimination that occurs when apparently neutral situation, but it's something that comes that you don't know what it can be, that it's normal for others, but not for persons that have several characteristics and they need some help under several point of view. Multiple discrimination, that's something that it comes again when you put together more than one, particularly for women, as you see, because women several times are thought to be more discriminated also for their gender. And that's something also we should not even have. And the reasonable accommodation that cannot be given to persons with disabilities. As you see, I am underlining something that I don't want to be negative, but I want to remind again, because it has been incredible, not only in desk one, but also in desk two, going to find out that some of our main points, that we still have to face discriminations. And I think that we should go back home, not only thinking of whatever it can be, the good, but also what can this be, because we have to combat against it. I think that with our desk project, we wanted to underline this once again, even though we have also the good part of it. That's it. I don't want to take more time because we are a bit
a bit late, and because I want now to give the floor to Mr. Markus Noerts, that is Vice President of Youth, so we can hear something about supported employment much more into deep than what I've said till now. So I thank you for listening to me, and I give the floor to Markus. Markus, the floor is yours. I mute myself, so you have the screen all for you. Thank you. Thank you, Fabrizio. I hope you all can hear me well. Yes, that's good. Thank you. Perfect, perfect. Dear Fabrizio, dear colleagues, first of all, many thanks for giving me the opportunity to talk about supported employment in the framework of this closing conference with you. As you said, my name is Markus Neuherz. I'm from Vienna in Austria, and I am the managing director of the Austrian Network for Supported Employment. And in addition, I am one of the vice presidents of the European Union of Supported Employment. I will come back to what the European Union of Supported Employment is later. First of all, let me start with sincere congratulations to what has been achieved in the course of this project. In my point of view, it is essential to assess the impact of inclusive employment methodologies such as supported employment. And talking about supported employment, in the next 10 minutes, I hope I will manage the time, I will be talking about supported employment and the vision behind supported employment, supported employment as a methodology, and about the network behind the supported employment movement in Europe. And in addition, I will be talking about the situation of supported employment in Europe. Let's get started with the vision behind supported employment. We are on the right slide already, thanks. There are countless answers to the question why supported employment is needed and why people all over the world strongly believe in supported employment being a key methodology in order to make societies in different countries more inclusive. Among those countless answers, there are two answers very closely linked to the United Nations. Next slide, please. The first answer is provided in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in the UNCRPD. In particular, Article 27 states that states parties recognize the right of persons with disabilities to work on an equal basis with others, and this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labor market and work environment that is open, inclusive, and accessible to people with disabilities. And then if you read further on, it is specified that state parties promote employment opportunities and career advancement for persons with disabilities in the open labor market, as well as assistance in finding, obtaining, maintaining, and returning to employment. So supported employment is one of the key instruments to implement these provisions of the UNCRPD. But then there's another political or policy document giving backup to supported employment. On the next slide, yes, we see here, in addition, in 2015, all United Nations member states adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development. At its heart, the 17 Sustainable Development Goals, the so-called SDGs, which are an urgent call for actions by all countries. And if you press the key one time again, then you will see an arrow now. Igma, could you press the key once, please? For the slide? No, it doesn't work. Yeah, here you see. Because goal number 8 is on the promotion of sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. These sustainable development goals are so important because they concern every UN member state, and also companies and industries are taking off on these sustainable development goals. And then we have some kind of sub-goals or targets. There's target 8.5 in these SDGs, which says by 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men,
And here it comes, including for young people and persons with disabilities on equal pay for work of equal value. And then there's one more principle. If you press the key again, then you will see this last principle. Yes. Furthermore, the UN member states endeavored to reach first those who are furthest behind. And this again leads to a clear mission for supported employment in my point of view. Many people are talking about supported employment, but what do I mean when I speak about supported employment here? Next slide, please. There is a clear and simple definition of supported employment, namely, you see it on the slides, supported employment is providing support to people with disabilities or other disadvantaged groups to secure and maintain paid employment in the open labor market. So most important thing, paid employment and on the open labor market, no segregated settings. This definition was agreed upon by the European Union of Supported Employment 15 years ago already. And over the last years, many professionals concentrated their attention additionally on career development, which goes hand in hand with Article 27 of the UN CRPD, which we heard about before already. Let us have a brief look on how this is being put into practice. What is the methodology behind supported employment? On the next slide, please. The supported employment uses a partnership strategy to enable, on the one hand, you see it on the one side of the slide, people with disabilities to achieve sustainable long-term employment, and then on the other hand, to support businesses, the employers, to employ valuable workers. The first element of a successful job match is the vocational profiling or the getting to know you process. Here, services identify the aspirations, learning needs, individual skills, past experiences, and job interests of the job seekers. And here we see many employers are anxious about employing someone with a disability, but there's nothing special about employing people with disabilities. We are often talking about such things as accessibility and universal design. Thus, we are often talking about barriers, which Fabrizio already did in his slides. In our daily work, in the supported employment professionals' daily work, we see that the main barrier to open labor market employment is a lack of knowledge on both sides. On the one hand, the employers many times do not have an idea of what a disabled person is able to do. Many times they are thinking of what is not possible instead of thinking of ways on how to make things possible, which they do in all other circumstances, the businesses. They're always finding solutions. But also on the other hand, also job seekers with disabilities, their parents, service providers, many times do not see the real potential of the disabled job seeker. And I believe here we are really missing opportunities many, many times. Therefore, the main task of supported employment professionals is bringing together the employer's perspective and the employee's perspective. Supported employment is very much about communication. And one of the leading principles of supported employment is first place, then train. This means we try to get jobs very quickly in the open labor market, and we do not focus on preparing the job seekers until they are job ready, because this would lead to permanent trainings. Reality shows that employees are learning new skills much faster on the real job than in an artificial training setting. And finally, it is about developing a career. And here again, there's not much difference between disabled and non-disabled employees. Not many people stay in the same job for their whole working lives. And people with disabilities are no different in having to adapt to changing labor markets. And disabled persons are no different in wanting to improve their own working lives. So supported employment should encourage the career development of individuals by promoting training opportunities and seeking options for increased responsibilities throughout their working lives. Next slide, please.
in daily life, of course, things are not as easy as it may seem listening to what I just said. Anyhow, supported employment is no rocket science. It follows some clear and easy to understand principles. There's a so-called five steps model, which can be found on the website of the European Union of Supported Employment. You see it on the last slide then. However, there's one main challenge when it comes to the implementation of supported employment in different environments. On the one hand, following the simple procedure, supported employment shall be as mainstream as possible. On the other hand, supported employment is a person-centered service, thus it must be as specialized as needed. And it is for the professionals an ongoing challenge to find the right balance between mainstream service and specialized service provision. In order to get an idea on how to find the right balance, supported employment service providers are linked in national supported employment networks in many countries. And furthermore, these national supported employment networks are linked to each other in the European Union of Supported Employment, which I mentioned before. Next slide, please. Just quick information, the European Union of Supported Employment is a network of 21 different national supported employment networks. And it was established in 1993 to facilitate the development of supported employment throughout Europe. And what we see all over Europe is that the supported employment model is more or less the same in every country. The vision is the same, paid employment in the open labor market. And everyone is able to work. These are key elements of the vision. However, the implementation of the model is very different in each country as we are facing a different context in each country. In particular, there's the legal framework. It differentiates in every country. We have countries where specific laws referring to supported employment are in place, such as France since 2016. And we have other countries where there's no legal provision dealing with supported. And then it comes to a very crucial thing, to the financial situation. The financial support for supported employment is also very different. In some countries, we have no public funding at all, but only charity-based services, while there are services fully funded by the governments in other countries. And of course, then the macroeconomic situation and the general unemployment rate plays a major role in the success of supported employment services. And last but not least, and most important in my point of view, the mindset of all stakeholders is key to the success of supported employment as an instrument for inclusive employment. And that's why I'm very happy about this Desk 2 project, that there will be proof on the importance of supported employment. Next slide, please. And I'm coming to the end now. That's why I'm concluding with the following statement. Of course, it's all about work because people want to work and they identify themselves with their jobs. And therefore, we need a mind shift because every person is able to work if the needed support and assistance is provided. And yes, we can, as Barack Obama said, and I would add, yes, we all can work. And yes, employers open their doors if we approach them with our supported employment services. It's about communication and reducing barriers and shifting mindsets. Thank you for your attention and happy to answer some questions. Thank you very much, Markus. It's always a pleasure to hear from you and to learn something new and something about supported employment. There are questions. As far as you know, I established the Italian Association in 96, so I mean it should be quite old, but the problem has been to bring this methodology also in more legal framework, I mean under also a legislation, because of course we all have in our countries a legislation that allows a person with disability to work. But there isn't any methodology in the legislation, so in some countries at least, and this makes a bit of complicate because people are sometimes think that you just place a person
somewhere, you gave a job, and now you reached the legislation and you are happy. But whatever it happens behind or before or anyhow around the person, it seems that it doesn't have so much care. So when we speak also about training, and this is part of the question that we have from the floor, something more, because supported employment can really give more skills to persons with disabilities and prepare them in a better way to find a job. I mean, we also prepare ourselves to go for a work. So why should there be some differences? Do you think that we should go, yes, more into details under this point of view? What can we do to convince and to make supported employment methodology something that also for a government can be a point, a referral point, and not just place persons with disabilities to a job without any support under that point of view, in a real sense of the word? What do you think about that? In my point of view, you did one thing which is very important with this Desk 2 project. I guess we need to provide evidence of what supported employment is able to achieve. On the one hand, we need to tell stories, because evidence is the one thing, and the other thing is talking with politicians, talking with civil servants, high-ranking civil servants, who we try to convince. They are also persons, you know, people, and we need to convince them with stories. And what we figured many times is if you find the wrong person who is concerned with disability, somehow you can try to convince this person. So it's a combination, in my point of view, of evidence and storytelling, which is and then there's the legal thing, of course, and the other thing is the lubricant, which is the money, because you can have a law, a supported employment law, if it's not going alongside with the necessary budget and money, then you cannot do anything. And last thing, as you talked about training, in I guess we need to focus again on informal skills. You know, supported employment strongly believes on training on the job, but you never have an accreditation for a training done on the job. So we need to refocus again on the informal skills and see on how can we deal with the training which is done on the job and which really brings the people forward. Right. Thank you. When you speak about telling stories, you mean good practices. We have to, yeah, exactly, exactly. That's what we did a lot on Desk One. Speak about and share together with the others about good practices. Thank you, Marcus, for that. Well, there is another question, and I think I can try to say something. And of course, John and Marcus are always invited to say, to reply if they think about that. And it's what happened about the pandemic that as a crisis, a health crisis, gave more difficulties to pupils, to students with disabilities to move forward. We used, for instance, in my center in Rome, we used smart working a lot, and it really worked very well. The possibility to use technology gave us a huge help, a huge support, not only for our users, for our clients, but also for families. Families were very afraid that they would have lost the support from our centers because of the pandemic, and that did not happen. With the technological support, we stayed together aside to our clients and to the families for the whole period. Of course, other centers preferred to go on holidays with their staff and close the center. We haven't done that. It was impossible. First of all, because we didn't know for how long it would have last, the pandemic problem. And second, because you cannot leave people so far when you know
that they need support under several points of view. So I think that our technological tools have been very useful, and who doesn't have them? I think they have to push to have a bit better, because they worked very well and people were very pleased about that. I'm not sure if I replied to all the your question, but I think that I gave an idea to what you can still do, and there is time for that. Okay, and now we are at the end of our first round table. I thank John, and I thank Marcus. I will not thank myself, of course, because that's not you are not used to do that. So I just can jump into our second round table. It's about the EDU and the promotion of an inclusive labor market. We have several speakers, and I give the floor immediately to Mr. Rémy Patissier as a live testimony of a personal EDU experience. So, Mr. Patissier. Fabrizio, je prends tout de suite la parole en premier. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oh, sorry. Sorry. Yes. Sorry. I made a mistake. The floor is to Mr. Gilbert Neves. We'll give next the floor to Mr. Patissier. I'm sorry for that. It's a bit of confusion. Bonjour. Now it's okay. Vous m'entendez bien, Fabrizio? Vous m'entendez bien? I can hear you, yes. J'ai pas de retour. Merci. Au niveau de l'audio, c'est bon, Fabrizio? C'est bon, Gilbert, on t'entend. Parfait. Alors moi, je vais effectivement... Alors, je suis Gilbert Neves, je travaille à l'ADAPT depuis de nombreuses années, plus précisément à l'ADAPT Rhône, métropole de Lyon. Et de nombreuses années parce qu'en fait, j'étais au début de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui est devenue ensuite la semaine européenne. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole. Donc, cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées que vous verrez souvent indiquée SEEPH. Donc, cette semaine pour l'emploi, elle a… Alors, oui, une petite seconde, il y a un problème de vidéo. Voilà. Donc, je vous disais, cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées se déroule en règle générale la troisième semaine de novembre chaque année. Elle a plusieurs actions qui se mettent en place sur l'ensemble du territoire français et aujourd'hui aussi dans certains pays d'Europe. Et voilà. Et ensuite, je voulais vous présenter une action un peu particulière de cette semaine qui a été initiée il y a 3-4 ans maintenant, qui s'appelle le Handi Move Emploi. Et vous l'avez à l'écran, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le Handi Move Emploi est une action qui a vu le jour en 2015-2016 à peu près, et qui permettent de mettre les personnes en situation de handicap en mouvement, comme on l'entend par là, on dit Move Emploi. Donc, c'est tout simplement des personnes en situation de handicap que l'on va mettre en binôme et qui vont partir démarcher dans des rues que l'on aura repérées, démarcher des entreprises et récolter dans ces entreprises des offres d'emploi pour tout le monde, en fait. Ils ne viennent pas pour démarcher pour eux, ils viennent vraiment collecter des offres d'emploi, des offres de stage, des offres d'alternance, pourquoi pas, en entreprise. Et cela pendant 2 heures à peu près. Il y a toute une organisation autour de cela. Vous voyez d'ailleurs sur les photos qui sont ici, on a la chance d'avoir la région sur l'Auvergne-Rhône-Alpes qui nous avait mis à disposition leurs locaux. Et donc, du coup, vous voyez toutes les personnes qui ont participé l'an dernier à cette action-là. Sur la seule ville de Lyon, on a eu 200 candidats qui ont contacté en 2 heures de temps environ 600 entreprises qui ont collecté 150 offres d'emploi et qui ont récolté également 195 lieux d'accueil en stage possibles. Voilà, c'est une action qui fonctionne très bien, qui est en train de s'étendre et qui est en train de se développer sur l'ensemble du territoire français d'ailleurs. Et je vais du coup passer la parole à Rémy Patissier qui va nous faire part de son expérience en rapport à cette action-là. Je pense que j'ai désactivé le son, si vous m'entendez. Par contre, je n'ai pas de retour vidéo pour moi, pour l'instant. On t'entend, Rémy. Ok. Et bah, du coup, déjà, je voulais remercier Gilbert, qu'on a écouté juste avant, de m'avoir gentiment invité pour ce webinaire. L'animateur a demandé de démarrer une vidéo. Ok. Pardon, j'ai cliqué sur le truc, c'est bon. Je mets à l'écran, j'ai tout le monde, c'est cool. Déjà, donc merci à Gilbert.
de m'avoir invité sur ce webinaire. Aussi, merci à toute l'organisation, comme à chaque fois. Et ça va être un peu le fil conducteur, vous allez voir. On m'a demandé de faire quelque chose de court en 4 minutes. Le défi va être grand. Donc, je demande à des modérateurs de dire stop. Et voilà. Donc, du coup, je me présente. Je suis Rémi Pâtissier. J'ai 33 ans. J'ai fait des études techniques à l'école d'enseignement technique Michelin, plus une spécialité en centrale nucléaire. Et point de vue handicap, eh ben, j'ai mon petit package. Donc, j'ai du somatique, j'ai du psychique et j'ai des dys. Donc, tout ce package-là de toutes les dimensions possibles, ça me fait que je suis reconnu à hauteur de 80% et plus. Voilà. J'ai fait une reconversion professionnelle qui, grâce à ce CEPH notamment, vraiment, c'est encore une fois, cette journée des personnes handicapées, ça a été déterminant et vraiment déterminant dans ce que je suis à l'heure actuelle, de mon alternance actuelle avec SNCF Réseau, juste à côté des bureaux d'Hilbert. On fait coucou par la tête de temps en temps. Non, c'est pas vrai, mais on pourrait. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été hyper déterminant parce que je suis arrivé en sortie d'hospitalisation, où j'étais hospitalisé pendant 2 ans. Je suis ressorti dans un état, au bout de 2 ans d'hospitalisation, c'est dur, et j'ai eu l'occasion de dire, essaye de voir, il y a 7 semaines, c'est pour les personnes handicapées, ça peut être bien, etc. Et oui, je vous confirme que c'est très bien. C'est très bien, j'y suis allé, j'ai eu... sur l'ensemble de la semaine, notamment quand c'est l'ADAP qui a organisé, mais même pour les autres, l'hôtel de région, Gilbert l'a dit, pour le Handi Move Emploi, ça a été vraiment, vraiment prestigieux. Moi-même, ça m'a, et l'ensemble des personnes avec qui j'ai pu discuter, ça met du baume au cœur de dire, on a quand même un endroit prestigieux à aller où on est reconnu, où c'est dédié pour nous, mais pas que finalement. Il y a les accompagnants, il y a les personnes aussi... Gilbert l'a pas dit, mais moi, quand j'étais prospecté, les entreprises, la première envie, c'était pas de savoir tant s'ils avaient un emploi à pouvoir ou pas. C'était simplement de dire, est-ce que vous connaissez la semaine des personnes handicapées? Et surtout, est-ce que vous savez que le handicap, finalement, c'est un mot, mais ça peut être aussi une force et ça peut être une plus-value pour l'entreprise et pour n'importe quelle entreprise. Et ce que j'avais noté, c'est que finalement, il y a eu des gens dans le webinaire qui a dit, il faut des indicateurs, des choses, de prouver que ça marche. Je veux bien être un indicateur, je veux bien le marquer là, je suis un indicateur, ça marche, ça c'est clair. Et le fait est que c'est en engageant cette conversation avec les personnes, en voyant cette dynamique, en voyant cette organisation, en voyant que la personne handicapée, finalement, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Donc, mais vous êtes handicapé? Non, mais vous êtes de l'association? Non, on est vraiment… limite, on pourrait le dire, faites voir, regardez ma carte, vous ne me croyez pas, mais si, c'est vrai. Donc, du coup, forcément, ça rebat les cartes et il y a une écoute, il y a une intention. Bien sûr, il y a l'intention, ils l'ont dit, il y a l'intention financière du fait qu'en France, il y a des actes financiers pour favoriser ça. Mais finalement, il y a quand même ce passage à l'acte de dire, je vous écoute, je veux bien vous donner du crédit, je veux bien vous donner deux minutes de mon temps. Ça peut me servir, ça ne servira peut-être pas tout de suite à l'instant T, malgré les 600 offres d'emploi qu'on a eues ou les 150, enfin bref, je n'ai plus les chiffres, c'est plusieurs centaines en tout cas. On sait qu'on ne va pas remettre 150 personnes à l'emploi, mais finalement, peu importe, parce que du moment où on en a parlé, du moment que ça change aussi la mentalité, du moment qu'il y a une récurrence chaque année, que finalement ça fait des petits, les entreprises parlent à d'autres entreprises, vous savez très bien comment c'est fait. Chaque entreprise se connaisse mutuellement dans la branche ou des chefs d'entreprise, ils ont souvent d'autres chefs d'entreprise dans leur sein où ils sont ensemble, ils en parlent. Et voilà, vraiment, cette organisation, cette force, ces heures et des heures et des heures de personnes, je ne sais pas combien de personnes ont travaillé sur les Handi Move Emploi depuis la création, mais ça se compte en milliers d'heures. Peut-être, voilà, mais en tout cas, tout ça, c'est réussi. C'est le fait. Du moment que ça change un minimum le regard de la personne, des personnes, que ça soit les entreprises, que ça soit les extérieurs, vu comme c'est ouvert à tout le monde, on a de plus en plus des personnes. Moi, je l'ai fait sur 2 ans de suite. Il y a des personnes qui viennent. Ah bah tiens, je connais pas, j'ai aucun intérêt d'être là, mais n'empêche que l'organisation, la bienveillance qu'il y a, ça m'intéresse. On est là, on prend des informations et peut-être ces gens par la suite vont s'engager dans d'autres associations pour le. Voilà, je voulais aussi dire que le Handi Move Emploi, c'était pas un truc magique. Dans le sens,
c'est on fait pas un handi-move emploi et paf, ça règle tous les soucis de la planète pour le handicap. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans ce maillon de la chaîne. Moi qui travaille à la SNCF, il y a une locomotive, ce programme-là, ça peut être la locomotive. Et après, il y a besoin de tous les autres wagons, de toutes les autres associations, etc. Et c'est là encore la force de l'ADAPT. N'étant pas accompagné de l'ADAPT et qu'on m'appelle, qu'on me dise, écoute, il y a un webinaire, on aimerait bien que tu interviennes, ça veut bien dire que ces gens sont corporate et ces gens ont beaucoup à apporter à n'importe quelle organisation qui veut dupliquer cette idée de handi-move emploi, cette idée de SEPH en sens large. Ils ont vraiment, ils ont bossé vraiment comme des tarés pendant tant d'années et c'est vraiment la reconnaissance. Ma reconnaissance à moi, c'est d'avoir bloqué la demi-journée en congé pour faire ce webinaire. C'est pour la façon de les remercier chaleureusement de ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, pour les remercier, je pense que si l'Europe peut investir un petit peu d'argent, un petit peu de financier pour finalement pour régler pas mal de choses, ne serait-ce que sur le plan psychique de ces personnes en fragilité, n'importe quel handicap, ça prend une personne de fragilité. Si ça peut déjà enlever un minimum de cette charge mentale de dire putain, c'est encore galère pour essayer de trouver ne serait-ce qu'un petit truc, ne serait-ce qu'un petit emploi, quelque chose que je peux faire. Je pense que voilà, moi, je suis vraiment grâce à ça, j'ai fait ce handi-move emploi. J'ai pas trouvé la SNCF grâce à ça, mais en tout cas, je suis allé sur la SCPH. Or, je voulais pas. Au départ, je me dis, bon, je vais voir ça et puis on perd rien. Et dans cette SCPH, j'ai trouvé des personnes qui ont fait que etc. Et au bout de 6 mois, 1 an, voilà, je suis en licence pro avec le Conservatoire des arts et métiers. Et normalement, si je valide ma licence, j'espère, je croise les doigts, j'embraye sur un master toujours à côté de Gilbert, désolé. Normalement, voilà, je serai un peu plus loin, je serai l'autre côté des rails du coup, mais voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps. 2 minutes, please. 2 minutes pour tout. Je n'ai pas compris. Je crois que tu es arrivé au bout de ah bah oui, bon, après ça m'étonne pas. Merci Rémi. La suite, Fabrizio. Merci. Ok. Thank you very much. Thanks for your testimony. Bon courage à vous pour la suite. Is always very important, as it has been said also in session one, good practices are fundamental to, as a testimony of how it can work, the good part of our society sometimes, where it's not so easy. Okay, so we go to our next speaker, to Mr. Neve. We go back to a bit later. So if he can, he and Mr. Patissier, if you can mute yourself, please, and leave the screen also. Thank you very much. Thanks a lot. So now I give the floor to Mr. Timothy Guillain. He's works in ASPD. He will tell you something about, and he's another partner of Desk2 project. So I'm glad to see you, Tim, and I give you the floor. Merci bien. Oui, donc déjà, à nouveau, je remercie Rémi pour son témoignage. C'est toujours très important d'avoir ces témoignages, d'avoir ces bonnes pratiques, comme l'a rappelé Fabrizio. Donc, je travaille à l'ESPD, qui est l'Association européenne pour les prestataires de services en situation de handicap. C'est-à-dire, c'est toujours difficile à prononcer, mais nous sommes une ONG à but non lucratif dans le secteur des personnes handicapées, créé en 96, qui représente maintenant plus de 17 000 services de soutien aux personnes en situation de handicap à travers l'Europe. Et nous jouons un rôle clé au niveau européen en tant que représentants des prestataires de services en faveur des personnes en situation de handicap pour une Europe inclusive et une mise en œuvre intégrale de la Convention des Nations Unies à travers des systèmes de services de haute qualité, à travers les participations des utilisateurs, une bonne gouvernance, l'accessibilité, la disponibilité, l'abordabilité et l'adaptabilité. Et donc, nous sommes dans le projet DESC avec nos partenaires italiens, espagnols et français de l'ADAPT. Or, on entend plus le côté européen. Et nous, après moi, Valérie Trévisan va présenter l'aspect belge,
qu'ils ont mis en œuvre le projet au niveau local. Et pour nous, au niveau européen, quand on le voit, chaque pays est très différent. C'est très difficile de dire d'une seule bonne façon de le faire. On voit que Fabrizio mentionnait qu'en Italie, ils ont essayé de lancer cet emploi accompagné depuis de nombreuses années, mais ça n'avance pas. Quand on voit, pour nous, une des principales barrières, c'est la barrière de la perception, du stigma, de la façon dont les individus perçoivent l'emploi de cette personne en situation de handicap. Et ça couvre tous les acteurs, les individus eux-mêmes, leurs familles, les employeurs, les collègues, la société en son ensemble. Il faut que chaque acteur adapte sa perception. Il faut que l'individu ait confiance en lui, en ses capacités. Il faut que l'employeur soit disponible pour l'accueillir. Il faut qu'il y ait un système légal et financier pour soutenir le mouvement. Comme l'a signalé Rémi, il faut un accompagnement approprié pour alléger le poids mental et administratif. Et dans ce cadre, la SEPH, qui sera plus développée par Gilbert par après, cette idée qu'il faut rassembler tout le monde autour d'un événement et aller au-delà de nos différences, rassembler pour convaincre, pour rassurer, pour parler de ces différences, de ces, en effet, pas de ces handicaps, mais montrer ce que les gens sont capables de faire. Ça ne mène pas toujours à un emploi, mais ça permet de dépasser cette barrière. Donc, ça a été développé au début en France, mais ensuite développé via le projet DESC en Italie, en Espagne, en Belgique. Et on a pu voir deux principaux défis. D'une part, chaque pays fait les choses différemment. Comme je l'ai mentionné, il y a un système légal et financier très différent. Avec la nouvelle législation en France, parler de l'emploi accompagné est beaucoup plus facile. Tandis que en Belgique, nous avons même une législation différente en fonction de où on parle, du nord, du centre ou du sud du pays. Ici, nous sommes focalisés sur la Wallonie francophone. L'Italie et l'Espagne ont encore une législation différente. Il n'était donc pas possible d'avoir une même SEPH dans chaque pays. Par ailleurs, le financement était un réel problème. Durant les années du projet, ça a été financé par l'Union européenne, mais ce n'est pas un système pérenne. On ne peut pas compter sur le financement européen pour continuer ça. Et donc, c'était voir comment peut-on continuer ça au-delà des années du financement européen. Et donc, ici, c'est ce que nous avons développé dans le livrable 3. Et donc, vous aurez les liens pour avoir tous ces livrables. Là, nous présentons les différentes semaines européennes pour l'emploi des personnes sans handicap dans les différents pays, les défis auxquels nous faisons face, les solutions apportées, et une méthodologie pour développer cette semaine dans votre environnement. Que ça soit, parce que ça peut toujours être fait à différents niveaux et de façon différente. Gilbert mentionnait cette nouvelle version du Handi Move Emploi. Il y a aussi les Duo Days. En Espagne, ils ont fait des Handi Cafés. Ça se fait de façon très variée et qu'il faut être adapté chaque fois à votre environnement. Dans ce cadre, la méthodologie que nous proposons, donc il faut toujours une initiation de la SEPH. Il est inévitable qu'il faut une organisation moteur, il faut une volonté, une motivation. Et on ne peut pas se le cacher, une énergie et une disponibilité financière, ressources humaines pour lancer, pour contacter les individus et pour s'assurer que ça puisse être un succès. On ne peut pas juste attendre que ça se passe. Il faut une organisation de moteur qui va ensuite développer le réseau avec d'autres acteurs. Et là, c'est aussi très important de ne pas rester dans la bulle du prestataire de service, mais d'aller au-delà, d'aller en co-création, travailler avec les autres partenaires. Dans le même temps que l'emploi accompagné, il faut impliquer les employeurs, il faut impliquer les personnes en situation de handicap, les autres associations, les organismes, les structures publiques, les recruteurs, les politiques. Il faut qu'ensemble, tous les acteurs puissent être partie prenante de cette demande pour qu'elle puisse être un réel succès sur la longue durée, pour qu'ils puissent s'approprier le concept et y apporter leur propre dynamisme.
si on se base que sur une seule organisation, ça ne peut pas durer sur le long terme. Il faut impliquer tous les acteurs. Et ensuite, communiquer. On a pu voir dans les fonds entre la semaine en France et des semaines très réussies en Belgique, en Espagne, en Italie, mais c'était la taille. Il faut qu'on atteigne une certaine capacité pour pouvoir avoir plus de monde qui vient et ça fait boule de neige. Donc, avoir une bonne stratégie de communication avec les médias, avec le public, mais avec les entreprises de nouveau. Il faut que les entreprises sachent ce qui se passe et comprennent leur intérêt. Comme Marcus le disait, on peut tout à fait... Les entreprises peuvent être intéressées dans l'emploi pour cette personne en situation de handicap, mais ça dépend de la communication, de la façon dont c'est présenté. Donc, quand on parle d'entreprise, ils nous répondent souvent qu'il y a différents types de peurs, l'inquiétude sur la responsabilité par rapport à la personne, qu'est-ce que c'est ce handicap, la place de la personne dans l'équipe, et parfois aussi le coût pour l'entreprise. Mais ce n'est qu'un des éléments. Et donc, c'est parler à ces différentes inquiétudes et communiquer avec les entreprises pour qu'elles puissent rejoindre la semaine européenne et devenir partie prenante. Une fois qu'on l'a communiqué, il faut adapter à la situation locale. Comme je l'ai mentionné, il n'y a pas un modèle de semaine européenne qui fonctionne partout. Ça va varier en fonction des soutiens, des capacités financières, de la disponibilité des individus. Et il faut adapter à la réalité. Il ne faut pas se dire il faut absolument faire le modèle français, espagnol, italien ou belge. Il faut vraiment adapter aux capacités pour que ça soit pertinent pour les individus. La semaine européenne doit être faite pour les individus et pour les entreprises et adaptée à leurs besoins. Il faut discuter avec les individus en situation de handicap, les entreprises, les prestataires de services pour développer une semaine qui va correspondre aux besoins et aux réalités de leur situation. Ensuite, la dernière étape est indispensable, évaluation des progrès faits. Tout le projet se cadre dans cette mesure d'impact, cette mesure que ce que nous faisons n'est pas juste parce que c'est la Convention qui le dit, parce que c'est les droits de l'homme, mais parce que c'est efficace. Oui, nous avons des très bons exemples de bonnes pratiques, mais lorsque nous parlons de politique ou financement, il est très important de montrer que ce n'est pas seulement une bonne pratique humaine, mais que c'est une pratique qui a du sens économiquement. Et donc, mesurer l'évolution du progrès, aussi bien dans la mise en œuvre de l'emploi accompagné que dans les mesures comme la semaine européenne, avec les retours des cours sur les participants et comment améliorer, est extrêmement important. Et donc, vous trouvez tous ces éléments dans le livre que vous trouvez dans le chat. Et je vous invite donc à le faire. Nous, au niveau européen, le FPI, nous espérons continuer à développer avec l'ADAPT dans d'autres pays européens cette pratique et de continuer avec nos partenaires DESC en Italie, Espagne et Belgique de continuer cette semaine européenne dans les années qui viennent. Je me permets de prendre directement mon temps pour répondre aussi à une des questions du chat. Peut-on envisager un lundi mouvement emploi européen avec les partenaires de DESC? Et de ce point de vue-là, je dirais, la façon dont la semaine européenne a été développée au niveau européen était via un projet européen Erasmus+, Key Action 2. Et donc, c'est tout à fait possible de développer un projet similaire pour le mouvement, pour ce nouvel projet, donc Andy Move Emploi. Il faudrait donc juste trouver alors des partenaires. Je vous invite à contacter le SPD ou l'ADAPT ou d'autres partenaires. Mais donc là, il faudrait développer un projet ensemble. Merci. Thank you, Tim. Thank you very much. Let's say very important messages, really very important, very concrete. And yes, of course, we have different countries, different education, different culture. Different, maybe the legislations are quite similar. The idea is the same under several points of view. And we have to adapt them in our countries. But the content of your speech has been absolutely important and interesting for the concrete
things you said. Okay, I would like now to go to our next speaker, Mrs. Valérie Trevisan from AVIC. So I would like to leave the floor to you. We will listen at you with high attention. Merci beaucoup. Thank you. Merci déjà pour cette invitation. Je vais juste attendre que le PowerPoint soit mis. You can go for it, please. We can hear you. Oui, c'est gentil. Voilà, j'attendais juste le PowerPoint. Merci. Mon rôle, comme Tim l'a dit précédemment, ce sera de vous expliquer comment nous, on procède en Belgique au niveau de la semaine européenne. Et donc, c'est un petit historique de comment on a démarré dans cette aventure. Donc, vous pouvez passer au slide suivant. Donc, peut-être juste pour reclarifier qui est la VIC. Donc, c'est l'Agence pour une vie de qualité. Certains d'entre vous connaissent peut-être la WIP. Donc, c'était le nom précédent, l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, qui correspond à la branche handicap actuelle de la VIC. Donc, c'est un organisme public wallon qui comprend à la fois une administration centrale et des bureaux régionaux. Donc, en Belgique, l'inclusion des personnes en situation de handicap en emploi, c'est une compétence qui est régionalisée. Donc, mes collègues flamands, germanophones et bruxellois ont aussi une législation et des actions qui sont à la fois et assez proches. On est assez proches les uns des autres dans nos modes de fonctionnement. Donc, on subventionne et on agrée des centres de formation et des ETA, donc entreprises de travail adapté. Et à côté de ça, on intervient en entreprise ordinaire, que ce soit dans le secteur privé ou public, pour, par exemple, une adaptation de poste de travail, une prime, du tutorat, des stages, etc. Alors, juste pour clarifier encore un petit peu la situation belge, nous n'avons pas de quota d'emploi de personnes handicapées en entreprise classique privée. Par contre, on a une législation avec des quotas au niveau du secteur public. Donc, c'est de 2,5 à 3% de travailleurs handicapés qui doivent être occupés dans ces administrations. Mais il n'y a pas de mesure coercitive. Donc, la seule mesure, c'est qu'il ne nous est pas possible d'intervenir si, donc par exemple pour une prime, si l'administration n'est pas en ordre de quota. Donc, voilà, comme ça, je vous ai situé en deux, trois mots la situation wallonne. Je vais passer au slide suivant. Donc, la première participation, elle a eu lieu en 2015. Donc c'est Henri-Pierre Lagary qui était venu vers nous avec cette proposition. Donc, nous n'étions pas dans le projet DESC au départ, mais Henri-Pierre avait le souhait, et c'est ce qu'on a d'ailleurs réalisé avec lui, de créer un job dating au sein du Parlement européen, donc à Bruxelles, en novembre 2015. Et donc on a travaillé avec lui sur cette mise en place. Donc la moitié des employeurs étaient français, l'autre moitié était belge. Une moitié des candidats étaient français, l'autre moitié belge. Et donc, ça a permis de démarrer en fait, une collaboration qui est très win-win. Donc, je pense qu'ils avaient un peu besoin de nous. Et nous, on avait besoin d'eux aussi pour nous donner une série d'éléments nous permettant de créer ce job dating qui n'avait jamais été créé chez nous, en tout cas sous cette forme-là. Donc, c'était intéressant d'avoir vraiment des relais direct avec l'ADAPT et des rencontres qui ont pu vraiment qui ont permis en fait de faire monter en compétence des services qui travaillent avec des candidats. Donc cette expérience ayant été très positive, on a décidé de continuer sur cette voie-là. Et donc en 2016, on a travaillé seul sur la mise en place d'un job dating uniquement sur la Wallonie avec présence de l'ADAPT. Et donc, avec une formule qui était un petit peu modifiée. Donc, on a choisi de préparer notamment les candidats en matinée, de permettre une rencontre pendant le midi entre recruteurs présents ce jour-là pour essayer de travailler sur comment intégrer et mieux intégrer ou maintenir à l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Et toujours dans cette envie, en fait, je rejoins totalement Tim dans ce qu'il disait tout à l'heure. Au-delà des actions
de ces petites actions qui ont été mises en place au départ dans la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. L'objectif, c'est aussi de pouvoir sensibiliser à plus grande échelle et d'avoir un impact via les médias ou via les contacts que les employeurs ont entre eux, et donc de faire effet boule de neige en fait sur une sensibilisation et un travail sur les perceptions que peuvent avoir les employeurs du secteur dit traditionnel ou ordinaire. Alors, ensuite, après 2017, on a essayé de travailler sur une version un peu plus... Vous pouvez passer les slides. Sur une version un peu plus proche de ce qui existe en France, avec plutôt une succession d'actions qui avaient lieu sur une période courte, d'une semaine, voire quelques jours autour de cette semaine-là. Et donc, depuis 2017, on met en place plus ou moins 20 actions par an, que ce soit portées par nos services ou par des services externes. Donc, ça peut être aussi des associations spécialisées, des centres de formation, tout type de partenaires en fait, avec lesquels on travaille habituellement. Et ça permet également un travail de réseau à cette période-là. Les actions, elles sont diversifiées. Donc, ça va du colloque au séminaire, que ce soit pour des employeurs ou plutôt pour des professionnels. On crée des dîners-spectacles aussi avec plutôt des approches humoristiques basées sur la déconstruction des préjugés. On a participé aussi à des actions plus grand public avec l'ADAPT. On sensibilise en entreprise, on a des team building. On essaye de donner des informations sur les recrutements dans le secteur public. Donc voilà, c'est assez diversifié comme méthode de travail, tout en essayant de garder une certaine logique d'année en année avec des actions qui visent différents publics, comme par exemple l'intérim, qui fait quand même partie des possibilités d'insertion avec lesquelles on essaye vraiment de travailler chaque année sur une action concrète. Alors, on a aussi eu la chance en 2017, 2018, 2019 d'avoir un petit budget. 2018, 2019 et 2020, d'avoir un petit budget de notre cabinet ministériel, donc du cabinet précédent, qui nous a permis de travailler sur un visuel et une campagne, surtout orientée médias sociaux au départ, avec donc, en novembre 2018, ce premier lancement d'un visuel qui dit que les personnes handicapées, malheureusement, sur le milieu du travail, ont plus de difficultés à être engagées, à être recrutées. Et donc, petit à petit, la campagne a évolué. Donc, on a eu en mai 2019 une campagne visuelle avec des employeurs qui montraient que les valeurs qu'ils accordent dans le cadre d'un recrutement, les valeurs qu'ils choisissent, correspondent bien aux collaborateurs en situation de handicap qu'ils ont engagés. Et ensuite, on est passé à un spot radio qui visait, lui, plutôt les collègues, avec de nouveau l'aspect les travailleurs handicapés ont des compétences, ont des spécificités comme tout le monde, et donc il n'y a pas de raison de ne pas les intégrer ou les maintenir à l'emploi. Donc, c'est un soutien qui a été intéressant pour nous, parce que, je vais y revenir dans nos difficultés, il y a une lassitude souvent des médias au bout d'un certain temps, et donc dans le fait de refaire des actions régulières, une lassitude qui fait que malheureusement on a de moins en moins de couverture médiatique, ce qui va à l'encontre en fait de l'objectif de départ qui est de sensibiliser à plus grande échelle. Vous pouvez passer au slide peut-être sur les difficultés et atouts. Donc les difficultés, effectivement, il y a motivé la presse, comme je viens d'en parler, les partenaires aussi, parce que malheureusement, on n'a pas de budget actuellement qui nous permet de financer des actions concrètes, si ce n'est dans le cadre d'autres budgets, par exemple FSE, qui nous permet de sensibiliser, mais pas spécifiquement dans le cadre de la semaine européenne. Donc ça nous limite également dans nos actions. Mais il y a toujours c'est un secteur qui est très dynamique et qui a souvent envie de mettre des choses en place, même si le budget ne suit pas. Et donc, on arrive quand même à trouver une certaine motivation chaque année. Les atouts, pour moi, les atouts, c'est à la fois le fait que, quelles que soient les actions qu'on met en place, il y a une participation qui est suivie. Donc, on n'annule jamais aucune action mise en place. Il y a toujours un intérêt
Et peut-être de plus en plus, étant donné que bah, d'année en année, les personnes savent qu'en novembre, il y aura une action. La communication est validée par le cabinet, donc ça, c'est aussi important d'avoir une visibilité politique de nos actions. Et, ça, oui, et alors, il y a l'aspect plus création de réseautage, mais avec de nouveaux partenaires qui sont plutôt des partenaires généralistes, donc qui, eux, vont... pas nécessairement avoir le handicap comme, comme approche directe, enfin, qui ont d'autres qui ont plutôt un travail plus général avec les entreprises et qui peuvent bah, via cet aspect-là via cette sensibilisation un peu diversifiée travailler sur des, voilà, sur des éléments ou sur des actions qui leur correspondent mieux et donc on essaye de rester très ouvert en fait à toute proposition. Et d'essayer ainsi de toucher en fait des entreprises qui ne seraient pas directement touchées par notre réseau habituel. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'étendre et de toucher des entreprises qui n'ont pas encore de travailleurs en situation de handicap. Voilà, pour conclure, on a deux grandes périodes dans l'année en Belgique, en Wallonie d'abord, parce que malheureusement, actuellement, au niveau de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, il n'y a que la Wallonie qui est partie prenante. Par contre, on a une action au mois de mai qui est belge et donc qui est réalisée sur toutes les régions en même temps avec synergie des différents organismes, qui est le DIOD, qui existe aussi depuis quelques années en France. Et donc en Belgique, on a créé cette action, la commune, vers 2014-2015, avec une volonté de sensibiliser de l'intérieur les entreprises. Et donc, pour nous, avoir une action au printemps et en novembre, c'est l'occasion de répartir sur l'année, en fait, et de ne pas... et de rester dans les relais, dans le réseau, dans l'aspect médiatique aussi de nos interventions. Alors, on a une envie de pérennisation, évidemment, toujours avec amélioration. Donc, envie de pouvoir y mettre un budget, évidemment, via notre cabinet ministériel et de travailler sur l'aspect communication et pérennisation dans ce sens-là des actions avec la presse. Voilà, j'ai terminé. J'espère avoir gardé mes 10 minutes de parole et je vous remercie encore pour ce temps. Thank you very much, Valérie. We listen at you with high attention, and we hope that not only in the part of your country, but a bit more, that we can enlarge the ADU, of course. We are a bit late, but we try to keep in time as much as possible. We have some questions at the end of this roundtable. Our last speaker of the roundtable, I give the floor back again to Monsieur Gilbert Neve of l'ADAPT. The floor is yours. Again, we are a bit late. Merci. Merci Fabrizio. Merci déjà pour commencer à Rémi Patissier pour son intervention et qui démontre bien l'engouement que peut susciter le Handi Move Emploi. Puisque Rémi il a participé de façon, il a découvert une première fois en tant que candidat, il est allé démarcher, et puis l'année suivante, il a voulu revenir alors qu'il avait un emploi, il a pris des congés comme il l'a fait encore ce matin, pour pouvoir participer toute la journée à un deuxième Handi Move Emploi où il nous a donné un coup de main à l'organisation. Il a été accompagnateur et il a donné aussi un coup de main sur l'organisation. Donc voilà un petit peu ce qu'on voit chez Rémi, on va le voir sur tout un tas d'autres candidats et c'est vraiment pourquoi je parle de cet Handi Move Emploi et que, effectivement, comme le demandait un auditeur, il est certainement possible de le téléporter ailleurs, de l'amener dans d'autres pays. Tu disais quelque chose de très, très pertinent. La semaine pour l'emploi, elle fonctionnera dans les autres pays d'Europe si chaque pays se l'approprie et avec ses sensibilités et avec aussi son savoir-faire. Il est évident qu'on peut proposer, chaque pays peut proposer des idées par rapport à des actions possibles et après, chacun doit s'approprier pour que ça puisse fonctionner. Et puis, comme le disait aussi Valérie, on voit l'évolution et la volonté de s'intégrer, de se
de se marquer par rapport à cette semaine pour l'emploi en Belgique, en Wallonie en tout cas, et les difficultés qu'ils rencontrent. Comment motiver la presse, comment motiver les partenaires, comment trouver du financement. Voilà, on pourra échanger là-dessus. On a quelques réponses puisque nous, quand on regarde la semaine pour l'emploi, c'est depuis 1997 en France. Elle a été créée par l'ADAPT sur un pari un peu fou, puisque on s'était dit on va essayer de décrocher 1000 offres d'emploi en une semaine. Et on a été très encouragés puisqu'on a presque atteint cette quantité-là, puisqu'on est arrivé à 980 et quelques offres d'emploi. Et on s'est dit finalement c'est jouable. Et puis on s'est dit la semaine l'année suivante on renouvelle et on va essayer de dépasser ces chiffres-là. On ne donnera pas de données chiffrées et on essaiera d'aller bien plus loin. Et on est allé effectivement à plus de 1000 offres d'emploi proposées par les entreprises sur l'ensemble du territoire français. Et pour cela, ben, on faisait plein d'actions pour pouvoir avoir cette promotion-là. Et puis d'année en année, on est arrivé à la porte de l'an 2000. On s'est dit qu'il faut dépasser les 2000 offres d'emploi pour le passage à l'an 2000. Et puis, on a arrêté avec ces paris d'offres d'emploi parce que vous comprenez bien, on avait beaucoup de propositions, mais très peu de personnes qui intégraient ces offres d'emploi. Il y en avait, mais au nombre de propositions, on était un peu loin. Donc, du coup, ce n'était pas une très, très bonne publicité. Par contre, les partenaires se sont assez rapidement intéressés à ce qui se déroulait pendant cette semaine, même si certains ont dit des choses très, très pas très pertinente en disant l'emploi c'est pas une semaine par an. Non, l'emploi c'est pas une semaine par an, c'est toute l'année. Et donc on a développé ces actions qui sont souvent expérimentées et testées sur la semaine pour l'emploi, se développent ensuite tout au long de l'année et apportent un vrai plus. Et du coup, cette semaine pour l'emploi est devenue un peu un regard, un phare qui va illuminer tout ce qui va se dérouler toute l'année. Et on va pouvoir parler des différentes actions. Alors tout à l'heure, Valérie parlait du Duo Day. Cette année, le Duo Day va se dérouler le 19 novembre dans le cadre de la semaine pour l'emploi puisqu'il n'a pas pu se dérouler pendant cette période de confinement. Et donc, on va retrouver le 19 novembre le Duo Day sur l'ensemble national. Et puis, pourquoi pas un Duo Day qui s'inscrit dans la semaine pour l'emploi chaque année. On verra. Ça, c'est pas dans notre sort. Voilà. Donc, cette semaine pour l'emploi, elle est devenue européenne à partir de 2015. Et à partir de là, donc, il y a eu bien sûr des prises de parole au Parlement européen grâce à Sylvie Guillaume qu'on a entendu tout à l'heure et donc que je salue d'ailleurs au passage. Et donc effectivement, elle est devenue européenne et on souhaiterait qu'elle se développe de plus en plus. On a entendu dans les différentes prises de parole que c'est très très important d'en parler et très très important d'aborder cette semaine européenne. Alors pour cette année 2020, la semaine européenne. Si vous voulez, voilà, si Ikma veut bien avancer sur les diapos, et celle d'après, même tout de suite. On aura trois thèmes qui ont été proposés donc, pour cette semaine. Donc, favoriser le parcours vers l'emploi, l'école inclusive, l'apprentissage accompagné, la formation, l'entrepreneuriat, et puis tout ce qui peut aller autour de la formation et de la préparation à aller vers l'emploi. Donc, l'insertion professionnelle des personnes handicapées repose sur des fondamentaux qui ne sont pas encore suffisamment développés. Et structuré. L'ADAPT montre que la clé de voûte de l'école inclusive est la route première et toute première étape à réussir pour avoir demain des collaborateurs compétents. Cela s'accompagne par l'accès aux dispositifs innovants comme l'apprentissage accompagné, la formation bien sûr. Aussi développer des passerelles entre l'entreprise, l'école et les centres d'apprentissage et de formation sont nécessaires. Les enjeux de réussite professionnelle de demain sont là, donc pour pouvoir arriver à avoir ce parcours vers l'emploi optimisé. Ensuite, il y a un deuxième thème qui est développer l'emploi des personnes en situation de handicap invisible. On dit souvent que 80% des handicaps sont invisibles et donc du coup, pour autant qu'ils ne sont pas sans conséquences, mais parce qu'elles sont dites invisibles, la société et l'entreprise donc ont souvent tendance à les ignorer. La pression est d'autant plus forte que les collaborateurs qui hésitent à se déclarer et génèrent une perte équivalente pour l'entreprise en termes bien sûr d'unité bénéficiaire, d'obligation d'emploi. L'entreprise perd aussi l'occasion de valoriser au prix d'aménagement tout à fait raisonnable le plein potentiel de ses collaborateurs et puis démontrer bien sûr à travers cela que employer des personnes en situation de handicap c'est un atout et non pas une galère. Mobiliser ensuite le troisième thème qui va être le thème de cette année, c'est mobiliser le numérique au service de l'emploi des personnes en situation de handicap. En effet, on a traversé une période un peu compliquée avec ce Covid-19 et qui nous a montré que en favorisant le télétravail et l'organisation de nombreuses réunions ou visioconférences, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, comme on fait aujourd'hui, ça permet d'assurer aux entreprises
et à tout le monde économique une vraie activité et donc de la poursuivre et de non pas s'arrêter. Le numérique est un outil favorisant l'inclusion et l'accès à de nouvelles activités ou aux métiers. Il peut aussi être, par rapport aux personnes que l'on accompagne, il peut aussi favoriser l'exclusion pour les personnes que l'on accompagne. Malheureusement, beaucoup de demandeurs d'emploi en situation de handicap n'ont pas les facilités que peuvent avoir d'autres personnes à utiliser le numérique. Donc, comment mieux former au métier du numérique? Comment mieux rendre accessibles logiciels et applications au plus grand nombre? Quels sont les nouveaux métiers qui vont émerger à court et moyen terme suite à cette dimension numérique? Voilà. C'est pour ça que ce thème-là nous paraissait très important et que nous souhaitions donc l'aborder dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ensuite, nous avons un message politique assez fort de Madame Sophie Cluzel, qui n'est autre que la secrétaire d'État auprès du Premier ministre et chargée des personnes en situation de handicap. Donc, bien sûr, dans ces prérogatives, il y a la dimension Covid-19 et l'après-Covid-19, ou peut-être ce qui va ensuite se répéter. Les synergies des trois présidents de l'ADAPT, de l'AGFIP et du FIPHFP. Donc, AGFIP et FIPHFP sont des organismes qui permettent de collecter de l'argent si les entreprises n'ont pas, ou les entreprises où la fonction publique n'a pas le quota de personnes sans handicap, et ensuite de réengager cet argent-là dans des actions comme celles que l'on peut mettre en place autour de la semaine pour l'emploi. Les mots d'ordre de ce que vous êtes, donc, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est cruciale. Bien sûr, cette dimension Europe est très importante. Et puis, il faut engager et emmener avec nous les entreprises. Tout à l'heure, Valérie parlait de dimension financière. Il me paraît assez clair que les entreprises sont l'un des premiers moyens de récupérer des sous pour pouvoir monter cette semaine pour l'emploi et les différentes actions que l'on met en place. Et puis maintenant, par rapport à la dimension européenne, donc nous savons que la Banque Centrale Européenne a annoncé un plan exceptionnel à hauteur de 750 milliards d'euros pour relancer le système économique européen suite à la crise du Covid-19. Donc, comment est-ce que les différentes associations que nous sommes et que vous êtes et qui existent un peu de partout en Europe vont pouvoir être très attentive à ce qu'une partie de cette somme-là puisse revenir aux personnes vulnérables et les aider dans leur inclusion dans la vie sociale et professionnelle. Continuer à œuvrer aussi sur le déploiement de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées en Europe. Par exemple, un déplacement des acteurs de l'emploi du handicap politique qui va se faire au Parlement européen de Strasbourg et puis d'autres événements en Europe qui devraient se mettre en place. C'est en tout cas ce que nous, on essaie de promouvoir. Et alors, pour terminer, je vais vous parler des différentes actions qui pourraient être produites au niveau européen. Donc, avec le repérage d'actions spécifiques sur l'emploi, d'actions de sensibilisation du grand public et des acteurs du handicap, et puis des actions directes pour l'entreprise. Donc, nous, on a déjà entendu tout à l'heure Timothy en parler un peu, des handicapés, des job dating handicapés. Donc, ce sont des actions qui permettent vraiment de mettre en relation des recruteurs et des candidats. On étudie actuellement la possibilité d'y mettre une dimension numérique aussi pour que si cette dimension Covid-19 est toujours présente au mois de novembre, qu'on puisse quand même l'organiser et le mettre en œuvre. Le Handi Move Emploi. Par rapport au Handi Move Emploi, ce que je souhaitais dire aussi au niveau européen, si d'autres structures en Europe souhaitent le mettre en œuvre, nous avons modélisé ces produits-là, Job Dating, Handi Café, Handi Move Emploi, Handi Rencontre Entreprise et Café Emploi. Donc, toutes ces actions-là ont été modélisées. On peut tout à fait vous faire parvenir les outils qui vous permettraient de les mettre en place. Et puis, au niveau du grand public, donc l'action de sensibilisation, donc on a fait beaucoup de choses. On a fait des défilés de rue, on a fait des flash mobs, on a mis en place des pauses engagées qui peuvent être très bien remise en place ailleurs. Donc, les pauses engagées, c'est tout simplement un petit kiosque. Et puis, on offrait le café, puisqu'au mois de novembre, il fait plutôt froid, café, chocolat, boisson chaude. Et puis, on interpellait les gens avec une question, leur demandant pour vous, qu'est-ce qui vous handicape? Et c'était assez intéressant de voir ce qui pouvait handicaper les personnes. Et du coup, on le notait ou au sol ou sur des ardoises. Donc, tout ça pour interpeller le citoyen et lui parler de la semaine pour l'emploi, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et puis, pour les acteurs du handicap, donc des conférences, là, on entre pairs, des tables rondes, des colloques
et tout ce qui peut tourner autour de la discussion et des échanges. Et puis pour l'entreprise, au niveau de la sensibilisation, nous avons des expositions qui peuvent se mettre en place, des points d'information, des escape games, serious games, formation, tout ce qui va permettre aux entreprises de sensibiliser leur public. En tout cas, voilà, le maître mot, c'est celui-ci, c'est construisons, sur la diapo d'après, construisons ensemble cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées pour favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. J'en ai terminé avec cette présentation de la semaine pour l'emploi et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Thank you very much. Thanks. Thank you very much, Monsieur Neves, to be strict and time, because time it's always our worst enemy, particularly in these webinars. I would like now to give the floor. First of all, I would like to make a question, particularly for Remy. Again, we are a bit late, so it's difficult to take other questions that anyhow one has already been replied directly. So Remy, I have a question for you, and let me pick it up. Alors, point de vue timing et moi, c'est pas ça. Alors, une question, c'est dangereux. The question is... Je vous écoute. But I just have to pick up the question in English because, I would like to know, somebody from the floor would like to know which kind of, where is it? Sorry, I have to, I lost it before and I don't have it anymore. Moi, j'ai reçu, je pense l'avoir, mais... Quel genre d'aménagement Ouais, c'est ce que j'ai eu sur le SMS, alors du coup, cherchez pas. Alors, quel genre d'aménagement, en fait, pour moi, sorry la situation a été idéale. Yes, if you have it, it's better. Yes, exactly. Ok. Yes, pour thank moi, you, Remy, please. J'ai conscience que la situation est hyper idéale de ce côté-là, c'est-à-dire que mon embauche à SNCF, c'est une grosse entreprise, comme vous le savez. Donc, qui dit grosse entreprise, dit mission handicap. Cette mission handicap a quelques pouvoirs, entre guillemets, fonctionnels pour aménager les postes de leurs collaborateurs. Moi, j'ai une particularité, c'est-à-dire que sur le poste où je suis, il n'y a pas vraiment d'adaptation, sachant que mes contraintes, moi, actuelles, c'est les portes charges lourdes, parce que j'ai une opération stomatique qui me contraint de ne plus pouvoir exercer mon ex-métier d'agent de maintenance. Mais là, moi, j'ai une fonction de... moitié bureau, moitié sur le terrain, donc du coup, mais je fais pas d'acte technique, je suis là en supervision des agents, en collaboration avec les agents, donc de ce côté-là, ça va. Vu comme c'est une reconversion professionnelle, j'avais pas vraiment connaissance de savoir ce qui pouvait être bloqué, etc. Maintenant que j'ai pratiquement un an de reliquat avec SNCF, là, moi, là où je vois que ça bloque, et que j'ai rappelé mon responsable de mission handicap, c'est sur la partie 10, dyslexie, et parce que du coup, il y a beaucoup de rapports, beaucoup de lectures, beaucoup de choses comme ça. Donc, on essaye de voir quelle est la meilleure adaptation à donner pour pouvoir gérer ça. Mais pour tout vous dire, l'appel date d'hier. C'est vraiment, je l'ai eu hier parce qu'ils ont fait une communication sur la fonction 10 au niveau de la mission handicap. Et malheureusement, ils n'ont pas forcément beaucoup de passerelles. Mais par contre, ça reste ouvert. Il m'a dit, écoute, renseigne-toi de ce qu'on peut faire, quelles sont les possibilités techniques et on verra quels moyens on peut allouer là-dessus. Donc, j'ai vraiment conscience que je suis dans un monde un peu idéal là-dessus. Et en plus de ça, mon chef, la partie handicap, lui, il a compris tout à fait que c'était une plus-value pour lui parce que ça lui ouvre l'esprit sur autre chose. Il voit et... finalement, ce n'est pas du tout un frein, c'est plus un moteur pour lui qu'autre chose. Mais là aussi, c'est un monde idéal. Des chefs comme ça, je pense que le jour où je ne serai plus avec lui, les prochains ont intérêt d'être très, très, très bons pour être à son niveau. Voilà, mais pour l'instant, voilà, c'est des choses. Des choses peuvent se faire dans les grosses sociétés et les petites sociétés. Il faut vraiment, à mon sens, entamer le dialogue le plus tôt possible, faire voir encore une fois que cet handicap, on peut le gérer par des biais pas très compliqués. Et la plus-value, encore une fois, et une fois qu'ils voient qu'il y a de la plus-value, ils peuvent faire l'effort de dire, en vue de ce que tu apportes à la société, on trouvera le moyen de pouvoir continuer à avancer sereinement pour que ça soit serein des deux côtés et safe pour toi aussi. Voilà. OK. Thank you very much, M. Patissier.
Okay, now we are almost at the conclusion of our meeting. And first, before the end, I would like to give the floor for the conclusion to Monsieur Xavier Delattre, the General Director of l'ADAPT. Monsieur Delattre, the floor is yours. Je pense que c'est l'animateur qui l'a, voilà, qui l'avait arrêté. Donc, c'est à lui de redémarrer ma démarrer. Voilà. Ça doit fonctionner. Voilà, normalement, ça doit. Merci à vous. We can hear and we can see you. Merci à vous. Je voudrais, comme Fabrizio a déjà remercié tous les intervenants et puis Emmanuel au départ, tous ceux qui ont travaillé avec nous pour mener à bien Desk 2. Je voudrais du coup remercier Fabrizio qui ne voulait pas se remercier lui-même. Donc, merci Fabrizio pour cette collaboration ensemble et pour cette belle animation de cette matinée. Ce que je retiens peut-être au travers des livrables de Desk 2 et puis des témoignages qu'il y a eu, c'est le côté pratique des témoignages et puis l'importance de l'implication des parties prenantes, bien sûr des personnes handicapées, mais aussi des entreprises, des prestataires, des recruteurs et aussi des familles et des proches ou des collègues qui doivent être pleinement impliqués dans l'intégration, dans la construction d'un travail plus inclusif. Alors peut-être ce qui m'a marqué, c'est dans ce côté pratique et l'implication, je repense au témoignage de l'intervenant espagnol, peut-être que je vais écorcher son nom, de Zamora, si je ne me trompe pas, qui souhaitait montrer, grâce aux mesures d'impact qui ont été faites chez elle, l'importance de montrer que ça marche, de montrer qu'il y a une méthodologie, de montrer qu'il y a des outils pour agir, pour créer la confiance, rassurer et pouvoir entraîner plus de monde, démultiplier les efforts qui sont faits autour de l'emploi accompagné. Marcus nous disait que l'emploi accompagné doit être vu comme un partenariat durable et de long terme. Il parlait d'un saut cognitif et je le rejoins assez bien sur ce sujet parce que je pense qu'au travers de ce que nous menons, c'est bien sûr d'amener vers l'emploi, puis de sécuriser l'emploi. Et je pense que ce mot a été prononcé à plusieurs reprises, c'est d'aller vers une gestion des carrières et de ne pas rester juste à de la sécurisation. Et cette gestion des carrières, elle implique en avant, et Gilbert a beaucoup insisté là-dessus, eh bien dans l'amont, d'embarquer sur l'apprentissage accompagné, comment par l'apprentissage, on va amener des personnes handicapées à avoir des niveaux d'études qui sont de plus en plus élevés, mais aussi entraîner l'école, l'université, dans cette démarche plus inclusive, parce que c'est ça qui va permettre de sécuriser et d'avoir des carrières plus importantes. C'est intéressant de voir le témoignage de Rémi avec ce travail, cette formation qu'il peut avoir en même temps au sein de la SNCF. Je pense que c'est une orientation qui doit nous motiver et qui doit orienter nos stratégies et nos politiques. Et puis, si on continue à remonter, eh bien, il faut aller vers la sensibilisation, vers les actions terrain. Merci à Gilbert ou l'intervenant belge pour l'explication autour de la semaine pour l'emploi qui permet vraiment d'entraîner le grand public, mais d'entraîner aussi des responsables économiques et politiques. Et je pense que c'est important vous savez, c'est comme le clou et le marteau, c'est à force de taper sur le clou qu'il s'enfonce. Et donc, il faut qu'ensemble, on continue à pouvoir promouvoir cette place des personnes handicapées dans la société, dans l'entreprise, et que ce soit finalement banalisé et qu'on ne les voit plus à la limite, qu'elles soient complètement intégrées à notre vie. C'est aussi les actions terrain, Handimove, Duoday, il y en a d'autres qui ont été expliquées. Et je pense que finalement, si j'avais à dire deux mots pour conclure, pour projeter pour la suite, c'est reprendre un mot de Timothy qui est co-création et puis un mot de Gilbert, appropriation. Et je pense que ce serait bien que l'on puisse continuer ensemble justement à s'approprier les actions, les initiatives des uns et des autres pour pouvoir les globaliser au niveau de l'Europe. Et je pense que l'Europe est vraiment le bon cadre, le bon format. Et puis, co-créer, c'est ce qu'on a pu faire au travers de Desk 2. Alors, ça n'a pas été toujours facile. Il y a eu des avancées, des reculs, des tensions. Mais en même temps, on arrive à des livrables qui sont opérationnels, qui peuvent être diffusés. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué, qui ont pu faire que ça a avancé. Et puis, mon souhait, c'est qu'on puisse décloisonner de plus en plus et être de plus en plus ensemble
pour permettre cette avancée pour les personnes en situation de handicap. Un grand, grand merci. Thank you very much. Monsieur Delattre, for your kind words, for having thanked me that I couldn't do it before by myself. Was quite funny situation. So we are at the end. Really, it has been 2 hours full of what all our experiences to explain our Desk 2 project. It was really a great honor to have you all today with us. I want to thank particularly my colleagues, the partners of Desk Project. We worked for a long time together, starting from Desk 1. So again, it was a pleasure to do that. We still have little things to do. We will do them together again. And I want to thank the interpreters. They're always so patient, so clever with us. Sometimes maybe we talk too fast. Sometimes we forget a word or whatever. They're always behind us in a very positive and concrete way. So thank you. And thank you to all the speakers. It has been a pleasure for us and an honor to have you with us. I want to thank those who have been able to organize this meeting. It's always quite hard. It's always not so easy. But I think that it worked how it did. We are 10 minutes later, so it's not too bad in a way. So again, let's bring back home the best that we have listened, and let's be active. And thank you again. And I hope to see you somewhere talking about the same and having a nice glass of wine to toast as persons and not only through screens. So goodbye to you all, and thank you. Bye-bye.